Quel que soit le principe que tu auras compris. Atako miango oyo sosoli. Po ateloko ofele senga ka critère. Même quelque chose de gratuit demande des critères. Sache-le très bien que lorsque Dieu te fait passer à autre chose, tu ne t'embattras pas la poitrine. Moïse va passer à une autre dimension. Mais il commence par vérifier. Ok. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et quand le Seigneur veut agir pour lui, dit, je suis l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Il rappelle Moïse ce qui va se passer maintenant. Tu ne l'as pas mérité. Et il a répondu, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. T'en fais pas. Ça signifie quoi trouver grâce aux yeux de Dieu? Ça veut simplement dire que Dieu trouve que ce que tu es ne ressemble pas au résultat qu'il va faire avec toi. Tu es pour lui une opportunité de mieux manifester sa main. Dans ton cœur, il n'y a pas les mérites de tes compétences. Quand tu deviens et quand tu possèdes, tu sais que sans lui, tu ne peux rien faire. Dit Moïse, quand je te regarde, quelqu'un qui bégaye encore, qui devient un homme puissant comme ça, je vais prendre quelqu'un comme ça. Quelqu'un comme ça, que les gens ne peuvent pas imaginer. Allez, Moïse dit, Dieu, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de prier pendant ces 40 jours. Ce n'est pas à la douleur de ton estomac. C'est juste à la faveur de Dieu et à sa miséricorde envers nous. Jésus s'est rassuré que nous tous qui nous approcherons du Père, nous ayons trouvé grâce à ses yeux. Pour qu'on n'ait plus besoin de dire qui n'en a trouvé, qui n'en a pas trouvé. De sorte que si la loi et la mort sont venues par Moïse, la grâce nous est arrivée par Christ. De sorte que quand nous marchons vers le Père, nous avons automatiquement trouvé grâce à ses yeux. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Mes frères et sœurs, une nouvelle dimension, c'est une grâce glorieuse. Yankembo. Le mot qui est le mât, il dit, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange du doxa de son charisme, à la louange de la gloire, de la splendeur de sa grâce. Frère, il y a de grâce où Dieu te fait. C'est juste pour toi, personne n'a vu. Mais il y a des moments où Dieu te fait grâce. Et cette grâce-là est parlante. Tout le monde a envie de prendre ça. C'est comme une tunique multicolore. On méritait noter, mais ça attire les regards de tout le monde. Ça fait parler. Mes frères et sœurs, nous allons passer à une nouvelle dimension si vous ne saviez pas. Mais ce n'est pas parce que nous le méritons, parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux. N'allez pas sur le terrain des mérites. Vous n'arriverez à rien recevoir. Restez là, là où se trouve la grâce. Restez là, là où vous n'avez rien qui ressemble à ce que vous demandez. Dieu, je ne ressemble même pas à ce que je demande. C'est pour ça que je les demande. Dieu regarde les gens comme nous. Les choses que je te demande là, je n'y ressemble même pas. C'est pourquoi je te demande. De sorte que le jour où ça m'arrive, je sais que je trouvais grâce à ces yeux. Paul dit, considérez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages.